Bonjour à tous, c'est Poupe et je suis ravie de vous retrouver pour la suite du Génération Leader. Tant qu'il ne nous reste plus que quartz et diamants dans le foyer, sauf que Beryl squatte dans un lit, c'est merveilleux. Donc Diamant est enceinte, ça n'a pas changé du premier trimestre, non du deuxième. Oui, deuxième trimestre, exact. Et donc on va s'occuper de tout ce petit monde jusqu'à ce que Quartz, n'importe quoi. Jusqu'à ce que Diamant accouche. Bon, est-ce que tu peux partir, s'il te plaît? Ce serait bien. Oui, il est complètement buggé, réveille-le. Parce que le squatter, c'est bon, quoi. On s'est tapé toute son enfance. Voilà, part maintenant. Très bien. Toi, tu vas discuter avec des gens, voilà, avec ta fille, très bien. Non, tu peux pas, normal. Allez, discuter, 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 discuter. Non, tu peux plus. Et on va attendre que Diamant se réveille. Le courrier d'aujourd'hui a été distribué. Il faudra payer les factures. Oh, mais on est large niveau... niveau nourriture. Niveau nourriture, n'importe quoi. Niveau budget. Tu vas au travail, ok. Toi, tu manges et tu dois augmenter ton niveau de mixologie. Donc tu vas t'entraîner à préparer des boissons. C'est vrai que niveau corps, t'es un peu ingrate. Mais niveau visage, par rapport à tes frères et sœurs, c'était carrément mieux. Tu vas aller aux toilettes après. Non, Agathe, on s'en fiche de toi. Travail des diamants commence dans 1 heure. Super. Essaye d'avoir ton point. Voilà, c'est bon. Non mais vous allez pas marceler. Ok, elle va jusqu'au buisson pour au final ne pas y aller. Promotion! Oh bah j'y croyais plus. Hein. T'es à quel niveau? Niveau 8? Ah oui. Bon, t'arriveras pas au bout de ta carrière, hein. J'y crois pas trop. Il te reste plus beaucoup de temps à vivre. Voilà, t'es déjà à la moitié de tes jours vécus. Tes jours vécus. Oui, t'es... Enfin, de ta barre senior quoi. Tu vas pouvoir peindre un truc. Non, tu peux pas. Tu peux pas, bah tu vas manger. Diamant est rentré de sa journée de travail. Va aux toilettes et va te divertir un petit peu. Elle a 3 jours de congé, c'est une blague. 3 jours, c'est énorme. Tu vas pouvoir prendre un peu soin de toi, c'est l'essentiel. Tu vas servir le dîner, ravioli chinois aux légumes. Tiens, pourquoi pas. Le temps passe beaucoup plus vite quand il n'y a que 2 personnes dans le foyer. C'est un fait. On va vite arriver à son accouchement. On remplace ça aux toilettes. On va dormir. Oh non! Ah! On va pisser. Dors. Mais non, mais va aux toilettes. Tu continues ce que tu es en train de commencer. T'es toujours une célébrité d'ailleurs? C'est où déjà? Là. Oui, t'es toujours une célébrité, je ne sais pas comment ça se fait. T'as passé ta vie à être célèbre et à être inconnu, être célèbre, inconnu. Tu te réveilles très bien. Est-ce que tu travailles aujourd'hui? Tu travailles. Bah tu vas nous faire une petite toile, toile abstraite. Pourquoi tu penses à... Elle pensait à Diamant alors qu'elle est dans la même... Alors qu'elle est dans la même maison, quoi. T'es déjà debout, toi. Mais qu'est-ce que tu nous fais? Bah, va payer les factures. Et ensuite, t'iras dormir à nouveau. Finis ta toile, dépêche-toi. Voilà, très bien. Un chef-d'œuvre, voilà. Voilà pourquoi tu devais finir ta toile. Bon, non. Hop. Perte de performance moyenne, j'aurais dû mieux lire. Mais encore! On va aux toilettes. T'as trop chaud. Bah c'est pas grave. Tu vas prendre des restes. Quelle journée de travail. C'est triste. Bah tu vas travailler jusqu'à ce que tu meurs en fait, Quartz. Voilà, c'est ça ta vie. Accoucher de laiderons, élever des laiderons. Et continuer à bosser toute ta vie. T'as trop chaud, mais change-toi. Oh là là.
Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Tu t'engueules avec ta mère en plus. Enfin, c'est ta mère qui doit s'engueuler avec toi. Allez, c'est bon, va manger. Non, mais va manger, j'ai dit. Évidemment. Ah non, ça a marché. Toi. Tu vas continuer à améliorer ta mixologie. On sait jamais. Je sais pas c'est quel échelon après. C'est pas bien grave. D'ailleurs, t'as une aspiration? Oui, t'as une aspiration. Préparer deux repas en étant aspiré. Bah, tu vas faire ça, ma cocotte. Tu vas faire ça. Pourquoi on t'appelle, toi? Bah, réponds à ton fils, voilà. Voilà, tu vas cuisiner quelque chose. Non, mais c'est une blague. La poubelle, je sais pas où elle est. Hop. Reprendre. Mais toi, vends ton chef-d'œuvre là. S'il te plaît. Et deviens pas trop joueuse quand même. Et tu vas nous repeindre une toile. Ah mais t'es encore trop chaud là. Mais change de tenue. C'est pas possible. Et reprépare-nous un plat. Ah voilà, c'est bon. Validé, très bien. Préparer un repas gastronomique. Bah tu vas préparer un repas gastronomique. Voilà, je mets 20 ans à trouver le truc. Une salade. Non mais c'est pas possible ça par contre. Réaliser sans envie avec l'ensemble des Sims. Ok. J'ai pas fait exprès mais c'est pas grave. Je crois qu'on va en profiter pour organiser un événement social. À savoir un dîner. Où est-ce? Et j'ai pas très envie en fait. C'est pour finir son aspiration. Enfin finir, commencer surtout. Et j'ai pas des masses envie. Parce que pour ceux qui regardent le let's play sur Île Paradisiaque, c'est une catastrophe. Voilà. Alors. Mince. Qu'est-ce que je fais? Bah, tu vas servir le brunch. Hop, tout de suite, dépêche-toi. Pourquoi j'ai déjà l'or? Appelle-les. Tu peux pas. Ah, si. Appelle-les. Voilà. Bah, d'accord. J'ai déjà l'or. Pourquoi? T'as une bonne réputation, c'est pour ça? Eh ben voilà, c'était bien plus simple que mon let's play sur Île Paradisiaque, pour ceux qui ont regardé. Eh ben, j'ai rien fait, j'ai juste fait l'objectif principal. Fantastique, c'était trop facile. Discute avec ta sœur un peu. On va éviter de lui donner les clés de la résidence, on l'a vu suffisamment dans notre vie. Elle était pas contente de son cadeau. Oh non! Je vais peut-être changer ce trait en fait. Hein. Quand j'y réfléchis, ça fait des siècles que j'ai ce trait. Qu'est-ce qu'on va mettre? J'ai envie de mettre bonnes écoles. Parce que j'ai suffisamment galéré à avoir un A avec Mademoiselle Diamant. Va aux toilettes avant de... Ah oui, vous êtes ensemble. Mais c'est quoi cette tenue? Bon, tu vas... Je sais ce qu'on va faire. On va faire un crac-crac. Faire plusieurs fois de crac-crac, ça permet de favoriser le fait d'avoir des jumeaux. Mais non, mais rentrez pas dans la maison. On va aux toilettes. Et fait crac-crac avec Philippe. Mais qu'est-ce que vous faites? Il n'y a pas d'intimité dans cette baraque. Hein. Mais. Faire crac-crac avec Philippe pour la 20e fois. Je croyais qu'il avait refusé. J'hallucinais. La fin de Quartz est proche. Super. J'espère qu'elle va quand même connaître son petit-fils ou sa petite-fille ou tes jumeaux. Je n'en sais rien. Récompense gagnée. Parfait. J'ai rien fait pour l'avoir. Alors que l'or pour la fête du Kawa, c'était une catastrophe. Super. Quartz, au lieu de faire n'importe quoi là. Voilà. Tu vas peindre. D'ailleurs, c'est quoi cette tenue? Je t'avais vraiment mis ça, c'est vraiment laid. Hein.
Vraiment laid. Créer trois types de nourriture excellente. Bah tu vas faire ça. Servir le dîner, gratin de taco. Quartz, oui. Tu continues ce que je t'ai demandé de faire. Alors on peut mettre ça là et tu peux continuer à servir le dîner. Du chili. Arrête de manger. Voilà, il en restera plus qu'un, mais là elle est pas très en forme. Quartz, bah va vendre, hein, continue. Rapporte-nous de l'argent avant que tu meures. Cette exploitation de vieux. Elle peindra des toiles jusqu'à la fin de ses jours. Histoire de ramener pas mal d'argent. Tu vas nous en faire une dernière. Alors le travail a commencé, donc on va tout de suite avoir un bébé. J'ai un peu peur. Pitié, pas des triplés. Et il faut que je regarde des noms de gemmes. Enfin, de pierres semi-précieuses. Une fille. Encore une autre fille, Onyx. Et là, j'avoue que j'ai peur. C'est des jumelles. Tout va bien, pas de triplés. Elle est où l'autre? Elle est... J'aime bien le « elle est où l'autre ?» Voilà. Tu vas pouvoir t'en occuper. Nourris-la, nourris-la. Ah mais qu'est-ce que tu fais, Quartz? Mais qu'est-ce que je fais, moi? Qu'est-ce que je fais? Mais nourris-la, nourris-la, ton petit. Tu peux aller te coucher après. Donc, Cornaline et Onyx. Tu peux aller aux toilettes et dormir. Allez, réveille-toi, va t'occuper un peu d'elle, parce qu'elle se hurle depuis tout à l'heure. Va manger un truc. Quartz est censé aller travailler. Bon, on va y aller dans un état pitoyable. Quartz part travailler. Très bien, ça on va jeter. Merci Akira. Bien, on va préparer t'entraîner à préparer des boissons. Ah non, tu dois faire ton troisième plat. Tu vas le faire tout de suite. Faux sandwich PLT. Ça c'est dégueulasse, mais je ne vois pas d'ici. Voilà, c'est ici que ça va pas. Là aussi. Mais continue ce que t'as commencé. Pas possible ça. Voilà, étape terminée. Que doit-on faire maintenant? Atteindre le niveau 8 de la carrière culinaire. Atteindre le niveau 5 de la culinaire. Oui, bon bref. Ok. Bah tu vas... t'entraîner à préparer un repas gastronomique. Voilà, fruits et yaourts, groupe. Quartz. Amuse-toi si tu veux. C'est bientôt l'anniversaire de Coraline et de Onyx. Voilà, j'ai bugué. Tu vas continuer à préparer des repas. Ah, chiale. Occupe-toi de tes petites filles. On en a hâte de regarder la télé. Non mais qu'est-ce que tu fais encore? Je t'ai demandé de faire quelque chose, non? Ah, c'est ce fichu plan de travail là. Nourris-la, nourris-la. Elle est pas contente, mais parle-lui. Non, pas changer d'âge. Surtout pas. Continue de t'entraîner à préparer des repas gastronomiques. Voilà, ça c'est très bien. Arrête de parler à ta mère si c'est pour qu'elle gueule dessus. Quartz, va vendre ça. Là, elle va dormir. Aussi, tu peux aller dormir. Ah, c'est l'anniversaire de Cornaline, je sais pas pourquoi je l'appelle comme ça, et Quartz est en train de mourir alors que je lui avais demandé de faire des actions avec les bébés. Super. Bon, adieu Quartz. Et les bébés qui pleurent, c'est génial. Allez, mais qu'est-ce qu'elle fait la faucheuse là?
Diamant, s'il te plaît, occupe-toi de tes filles. Non, 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 mais arrête de... Oui, c'est bon, on a compris qu'elle était morte. Voilà, on va mettre ça dans l'inventaire. Et c'est là-dessus qu'on va cesser. Alors, je réserve la bouille de Cornaline et Onyx dans un prochain épisode. On a eu la mort de Quartz, ça y est, la première génération s'est éteinte et la troisième a vu le jour dans cet épisode. Donc j'espère que ça vous a plu, je vous dis à la prochaine et salut.